Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, puisque aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 2 de Arc Zeyland saison 2. Alors, j'ai pas du tout fait de hors caméra, par contre, j'ai une idée de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Déjà, j'aimerais bien prendre tout simplement un petit niveau histoire d'apprendre tout ce qui est la forge, l'atelier, les outils en métal, et ensuite au prochain niveau avoir les flèches tranquillisantes pour ensuite essayer de capturer un raptor. Franchement, je pense que ça serait pas mal. Et s'il me reste un petit peu de temps, ben pourquoi pas, franchement, aller dans une grotte et farmer un petit peu de chitine. Je pense que ça pourrait être très très bien. Mais bon, il va déjà falloir que je prenne un niveau et pour ça, je vais aller farmer du bois parce que j'en ai quasiment plus. Ok, alors ça y est, je reviens d'une petite session de farm. Voilà, je continue un petit peu à nettoyer mon plateau qui est quand même assez grand. Hein. Je suis en train d'y repenser et c'est vrai que je vais avoir pas mal de place pour construire un petit peu tout ce que je veux. Donc franchement, ça c'est vraiment bien. Maintenant, il va falloir que je range tout ça. Alors par contre. Ouais, c'est lourd. Ok, c'est bon, ça passe. Ah, c'est passé, nickel. Je pense aussi, du coup, pour finir, on va dire, de level up, peut-être faire quelques petits pots de narco en plus, parce que je vais très bientôt avoir, on va dire, le niveau pour fabriquer, on va dire, tout ce qui est les flèches tranquillisantes. Et ça, franchement, ça va être pas mal du tout. Ah, mince, par contre, je pense que je vais être full. Ah, ouais, non, je vais être full niveau bois. Bon, un de fibre, je peux le jeter, et puis au pire, voilà, un petit peu de branchage, c'est pas très grave. Enfin bref, du coup, pour faire d'autres pots de narco, il va me manquer de la viande périmée que je vais me faire de suite. Voilà, parfait, comme ça je vais m'en faire 80, ça va être pas mal du tout. Et je vais retourner farmer un petit peu de narcoberry avec le parasaur, et ensuite je pense que ça devrait être suffisant pour passer mon niveau. Ok, alors franchement, j'ai rien à dire. Le parasaur reste quand même très efficace pour la récolte de narcoberry. Voilà, j'en ai eu un peu plus de 4 stacks. Ah ben non, j'en ai eu 400 tout pile. Bon, ben ça, c'est franchement pas mal. Avec tout ça, je vais pouvoir me faire 83 pots de narco en plus. Et je pense clairement que ça va être le level up. Attendez, je vais regarder. Ouais, ça va clairement être le level up. Ok, parfait. Bon, du coup, je pense que ça va être le level up. Ah non, encore un petit pot de narco. Bon, ben c'est pas grave, hein. Ça va très très vite arriver. Franchement, les pots de narco en début de partie, c'est quand même très efficace pour level up. Enfin bref, du coup, je vais pouvoir apprendre la forge. Et je vais attendre le prochain niveau du coup pour apprendre l'atelier. Mais bon, au moins déjà, la forge, ça va franchement être bien. Alors qu'est-ce que ça coûte la forge? Du bois, de la fibre, de la peau, de la pierre et du silex. Très bien. Et bien du bois j'en ai, de la fibre aussi. De la pierre, de la peau, du silex. Parfait. Hop, la forge. Nickel. Hop, comme ça c'est franchement bien. Est-ce que j'ai un petit peu de métal d'ailleurs? Ouais, j'en ai 37. Ah ben franchement ça va. 37 métal, au moins je vais avoir assez pour me faire. On va dire le. Comment ça s'appelle l'atelier, voilà, que je vais mettre juste à côté à mon avis. Donc peut-être que je mettrai deux forges, hein. Je pense que ce sera plus intelligent d'en mettre deux. Hop, alors je vais éviter de trop la coller dans le mur. Voilà, parfait. Bon, au moins 37 de métal, ça franchement ça va être bien. Il va falloir que je level up encore une fois pour me faire l'atelier et les outils. Mais bon, pour ça, ce que je pense faire, c'est peut-être chercher un raptor. Après, le problème, c'est que j'ai que deux flèches tranquillisantes. Et honnêtement, deux flèches tranquillisantes pour un raptor HL. Ce sera clairement pas suffisant, donc ouais, peut-être que si je tue des raptors, je peux peut-être avoir une petite chance d'avoir des flèches tranquillisantes, c'est ce que je suis en train de me demander. Bah, vous savez quoi, pire, je vais tenter. Y a rien, non, c'est bon. Franchement, c'est pratique d'avoir une rivière là, au moins, je peux directement sauter depuis là-haut. Ok, je vais tenter de me faire les raptors. Dans le pire des cas, si je suis dans la mer, je peux toujours crier pour fuir. Allez, allez, le raptor. Ok. Bon, ça fait. Ok, il y en a 3. Il y a 3 raptors. Ah ouais, c'est la merde là. Ok. Je vais au moins en tuer un. Au moins en tuer un. Ok, parfait. Ok, dégagé. Ok, c'est bon. J'ai fait fuir les autres raptors. Très bien. Je vais peut-être tuer le dilo là. Tant que j'y suis. Ok, parfait. Bon, je me casse. Je me casse parce que franchement, j'ai pris super cher. Ah non, mais les raptors quoi. C'est vraiment une saleté ça, les raptors. Hein. Ouais, maintenant c'est la mouette qui va me faire chier. Super. Ouais, non, bon. Je vais tuer d'autres dinos là pour level up. Parce que franchement, les raptors, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais justement, là, il y a un petit sarco niveau 25. Ça peut clairement faire l'affaire. Hein. Ça peut clairement faire l'affaire. Faut juste que. Qui. Ouais. 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 Reste neutre, toi, au cas où. Très bien. Le sarco. Il est où? Vous le sentez arriver le screamer là? J'ai pas envie d'aller dans l'eau. Il est où le sarco? Moi bah, j'ai level up. Hop, bah, je vais passer mon niveau au pire. Tac, parfait, la pioche. Prochain niveau, la hache et les flèches, ça franchement ça va être bien. Donc il faut encore que je prenne un niveau. Le sarco? Ouais, je pense que je vais reprendre mon parasaur en vrai, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il meure comme il a plus de vie.
Bon, encore ça va, c'est un petit peu régène. J'aimerais bien trouver Monsieur le Sarko. Ah, il est là-bas. Parfait. Bah, je vais me faire Lady Lo, ça va me faire un petit peu level up comme ça, parfait. Allez. Lady Lo. Ok, je pense que je lui ai mis une tête, je sais pas. Ok, toi tu meurs. Il y en a un deuxième juste ici. Allez, le Dilo. Meurs. Ok, meurs. Ok. Ok, bon, le Sarko il est encore occupé avec la tortue, ça va. Le Parasaur va bien. Bon, je vais le laisser un passif, hein, finalement, le Parasaur. Le Sarko. Allez, je vais aider la tortue. Je vais aider la tortue. Allez, le Sarko. Allez, le Sarko. Ok, je l'ai eu. Parfait. Bon, eh bien, en prime, j'ai quand même fait la tortue. 140 la tortue. Ouais. Ouais, non. Non, bah, elle est déjà bien amochée de toute façon. Donc, le temps qu'elle se régène, ça va être très très long. Autant que je la tue, franchement. Autant que je la tue. D'ailleurs, viens par ici, le Parasaur. Allez, meurs. Enfin, je pense qu'il lui reste plus trop de vie. Hein. Allez. Tu vas mourir, oui. Eh, ça a de la vie. Hein. Ça a vachement de vie, quand même, les tortues. Allez. Ok, parfait. Bon, et eh bien, je pense que là, c'est très très bientôt le level up, hein, à mon avis. Je pense que je dépece le Sarko. Et à mon avis, je devrais prendre un petit niveau. Ben non, même avant de dépecer le Sarko, parfait. Est-ce qu'il a. Ouais, non, il a pas ce que je veux. J'aurais bien aimé qu'il ait des flèches tranquillisantes. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, j'ai le niveau maintenant pour me faire les flèches tranquillisantes, donc c'est plus trop un problème maintenant. Allez. Oh, la peau. La quantité de peau, franchement. Ah non, j'ai cassé ma. Pas cool ça. Bon, le dilo, tant que t'es là, écoute. Hop, sois utile. Ah non, il m'a mis en poison. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai bah, oui, j'ai plus de. Ah, je pense pas grave. Dans tous les cas, on va rentrer à la maison pour bah, réparer les outils puis faire les flèches tranquillisantes. Très bien. Hop, 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 hop. Voilà, parfait. Du coup, nouveau niveau. Level 22, parfait. Est-ce que je vais avoir assez de points? Donc là, il me faudrait 6 et. Ah, ça va le faire. Ouais, nickel. Parfait. Bon, et bien ça, franchement, c'est une très bonne chose de faite. Je rentre à la maison et on va fabriquer tout ça. Ok, parfait. Bon, ben, je viens de rentrer à la maison. Du coup, il va falloir que je range tout ça. Et je pense que tout mon métal a dû fondre depuis. Non, ok, il n'a pas encore totalement fondu. Par contre, ouais, ces petits coffres-là, ils sont embêtants. J'ai pas vraiment. Enfin, j'ai vraiment pas beaucoup de place dedans. Ok. Non, par contre, la kératine, je vais la mettre là. Parfait. Et tout ce qui périme ici. Voilà, je peux me refaire des pots de narco d'ailleurs. Deux. Bon. Bah, c'est toujours mieux que rien. Le métal a fini de fondre. Du coup, on va pouvoir se faire l'atelier. Alors, l'atelier, qu'est-ce qui va me coûter? Du bois, de la peau et de la pierre. Bon, bah, ça, franchement, c'est pas du tout un problème. Hop, de la pierre, de la peau. L'atelier, parfait. Pour ce qui est du coup du. Comment ça s'appelle? Des outils. Il va me falloir du bois, de la fibre et de la peau. Du métal, parfait. Bon, en plus de ça, j'ai laissé pile poil le bon espacement pour l'atelier. Que je vais mettre. Je vais essayer de le mettre vraiment le plus droit possible. Ok. Ok. Je pense que là, c'est pas trop mal. Ouais, parfait. Bon, au moins comme ça, la hache, la pioche, ça, franchement, c'est bien. Au moins, on va pouvoir farmer pas mal de métal. Également, du coup, bah, les petites flèches tranquillisantes. Ça va être bien. Donc, je vais pas en crafter autant. Voilà, je vais en faire ouais, un peu plus quand même. Je vais m'en faire des. Ok, donc du branchage. Un petit peu de silex. Un petit peu de fibre, parfait, les outils sont réparés d'ailleurs. Je peux me faire 100 flèches, ouais non. Je vais peut-être pas m'en faire 100, je vais m'en faire une. Ouais voilà. Là je pense que ce sera suffisant. Parfait. Bon bah ça franchement c'est bien, comme ça on va pouvoir également aller à la montagne chercher et un raptor et récupérer du métal. Franchement ça va être bien. D'ailleurs si la série vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Enfin bref, direction la montagne, on va regarder vraiment tous les niveaux des raptors qui peuvent bah, se situer là. C'était chaud là. Ouais, il faut que je fasse gaffe, hein, parce que si je me loupe, franchement, je perds mon Parasaur. Hein. Donc, les Raptors, bah, j'aimerais bien en trouver un HL, franchement, ce serait bien. C'est une très très bonne monture, hein, dès le début, franchement, le Raptor. Enfin bref, je vais tranquillement explorer la montagne, je vais prendre un petit peu de métal, et si je trouve un Raptor HL, on se reprend, je vous dis à de suite. Ok, re les amis, alors ça fait très longtemps que je cherche, hein, vous pouvez voir sur la minimap, comment j'ai bien exploré la zone quand même. Et j'ai enfin trouvé du coup un raptor HL, voilà il est juste ici, alors de base il était de l'autre côté mais je l'ai attiré là pour être tranquille, voilà donc c'est un mâle 135. Ben franchement j'ai bien galéré, hein. J'ai très 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 galéré on va dire à trouver un raptor HL. Parce que vraiment ben, j'en ai vu plein mais bon ils étaient tous bas niveau quoi donc. Et pourquoi tu fuyais? Pourquoi il fuyait? En plus ça va il a une belle couleur, hein. Fais voir un petit peu ta couleur. Ouais il est beau, il est beau, il est beau, je le veux.
Par contre, ce serait bien que tu reviennes. Moi, le parasaur, là, ça grimpe pas, je pense. Hop. Ouais, parce que là-bas, il y a un Carnot. Level 20. Tortue level 20. Et Raptor, ben non, mais reviens. Ah, ça y est, il revient. Il a compris. Voilà. Non, mais il m'a oublié. Oh. Viens là. Viens là. Putain, mais je vais le toucher. Non, il s'est arrêté. Oh, je l'ai touché. Ouh, ça fait mal. Ouh là là, ça fait mal. Ok. Bon. Allez, viens. Tu vas être à moi. Très bien. Alors, je suis très content d'avoir trouvé un raptor. Hein. Vraiment, ça fait très longtemps que je cherche. Je dirais que j'ai cherché au moins une bonne heure, hein, au minimum, hein, je dirais. Bon. Allez, c'est pas trop tôt. Franchement, je l'aurais mérité, mon raptor. Hein. Allez. Allez, tu vas dormir en plus avec les carnots, etc. Ce qui est à côté, je pense pouvoir récupérer un petit peu de viande supérieure, hein, tout simplement. Allez, tu vas dormir. Ok, je pense qu'une dernière flèche. Ok. Une dernière. Ok, là je pense qu'il va dormir, non? Tu dors? Ah, ok, j'ai eu peur, je croyais qu'il allait m'attaquer, mais non, ok. Il s'est endormi, parfait. Bon, et eh bien Raptor 135, ça c'est fait. Le Carnot là-bas, je pense clairement pouvoir me le faire. Ouais. Je pense que si je... Ah, si j'arrive à le toucher. Non, si je le touche, ce serait incroyable. Comme ça, je pourrais lui mettre des flèches. Eh, viens par là. Viens par là, le Carnot. Bah non, mais je vais aller le chercher, ce sera plus simple. Ok, allez, à nous deux le Carnot. Attaque, 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 défends-moi, attaque. Ok, parfait. Allez, on le démonte. On est deux, on va le démonter. Et il est que niveau 20, donc franchement, je pense que ça devrait le faire. Ouais, ça va le faire, hein. Hein que ça va le faire. Je vais pas perdre mon parasaur comme ça, quand même. Hein? Non, non, non. Non, non, non. Oh là là, en plus, c'est le parasaur qui a eu le kill, magnifique. Bon, eh bien parfait, allez donne-moi de la viande supérieure s'il te plaît. Voilà, 2, un peu plus. 3, 4, ce serait bien. Bon, ok, 2 viandes supérieures, c'est mieux que rien déjà. Ça va, il est mid-life le parasaur. Je pensais qu'il avait pris un peu plus cher que ça, mais honnêtement, ça va. Alors je pense pas clairement que 2 viandes supérieures ça va suffire. Ce serait bien que je trouve encore un peu plus de viande supérieure et il me semble avoir vu un croco dans le coin. Ouais, voilà, il est là. Il est niveau combien le croco là-bas? Il est où? Non mais le parasaur, tu me. Hein? Ok, il est là. Niveau 25, bon. Bah, honnêtement. Honnêtement. Ni. Ouais, non, hein, y a rien. Niveau 25, je vais me le faire. Je pense que ça va pas être trop compliqué. Allez, tiens, prends ta flèche. Ok, loupé. Non, mais va pas là-bas. Ouais. Bon, bah, déjà, je vais tuer le Dilo là, parce que je sais qu'il va me faire chier sinon. Allez, viens. Viens. Ok, parfait. Bon, maintenant, le Sarco. Le Sarco. Allez. Oh, touché. C'est le Sarco que j'ai touché? Ouais, parfait. Nickel. Allez, viens. Allez, viens, je t'attends. Je te démonte. Je te démonte, le Sarco. Je te démonte. Ah, t'es lent sur Terre, hein. Ah, dans l'eau, t'es rapide, hein, mais sur Terre, là... J'avais oublié qu'il pouvait faire ça, le Sarco. Ah, mais ça va pas de... Oh, non, j'ai cassé mon arc. Ok. Ok. Zotux vs le Sarco. Ah, il m'a fait trop peur par contre quand il a sauté. J'avais complètement oublié qu'il pouvait faire ça. Allez. Allez, le Sarco. Viens par là, le Parasaur. Je sais pas où est-ce que t'es. S'il te plaît, donne-moi de la viande supérieure, ce serait sympa. Oh yes, une viande, deux viandes. Ok, parfait. Bon. Honnêtement, 4 viandes supérieures, je pense que ça devrait suffire hein, pour le. Pour le. On va dire le. Comment ça s'appelle? Le Raptor 135. Je vais aller le voir de suite. Ouais, et puis sinon, si j'ai pas assez de viande supérieure, il y a un autre Sarco. Niveau 40, voilà, donc je pense, ouais, niveau 40, je devrais pouvoir me le faire normalement. Mais d'ailleurs, je pense, ouais, juste mettre la viande dans le raptor et ensuite directement attaquer le Sarco. Ok. Après, peut-être que 4 viandes, ça va suffire. Ouais, non, non, non. Ok. Ok. Ça suffira pas. Allez, Zotux 2, Sarco 0. Parfait. Bon, ça c'est bien. En plus, j'ai réussi à le tuer vraiment juste à côté du raptor. Rends-moi mes flèches par contre. Ouais, voilà, nickel. Alors, ok, nickel. Une viande. Allez, il m'en faudrait 3, ce serait bien. Allez, s'il te plaît. Non, j'en ai eu qu'une. Malheureusement, j'en ai eu qu'une, mais je vais devoir faire avec. Mais bon, ça devrait être bien quand même pour capturer le raptor, je pense. Hop, hop, hop. Alors, je vais ranger un petit peu l'inventaire du. Ouais, parce que c'est le bordel là. Hein. Ça, je m'en fiche. Voilà les ressources, je vais les garder. Très bien. Bon. Eh bien, je suis content, franchement. Raptor 135, voilà, il va bientôt se tame. Ça, franchement, c'est cool. Alors, faudrait que j'apprenne sa selle.
celle du raptor. Alors, du bois, de la fibre et de la peau. Ah, je vais peut-être avoir ce qu'il faut pour faire la selle du raptor. Ouais, il va juste me manquer un petit peu de fibre. Bon, bah parfait. Au moins, je vais pouvoir faire sa selle, on va pouvoir le tester de suite. D'ailleurs, ouais, je pense aller tester un petit peu le... On va dire le... Comment ça s'appelle? Le raptor dans la grotte avec l'artefact du chasseur, là, juste à côté de chez nous. Comme ça, bah, je vais pouvoir bien XP avec toutes les bêtes, on va dire toutes les araignées, les arthroplera, les scorpions qu'il y a là-dedans. Franchement, je pense que ça devrait bien me faire XP. Et puis au moins, comme ça, bah, je vais farmer pas mal de chitine pour faire un petit peu de ciment, même si ce serait plus avantageux d'aller chez les castors hein, pour récupérer le ciment. Mais non, c'est vraiment plus pour l'XP hein, que j'ai envie d'y aller. Donc, bah, ok, bah, il manque plus qu'une seule viande et puis il va être à nous. Ok, alors ça y est, du coup, le raptor, c'est enfin tame. Voilà, il est super beau, franchement. J'adore la couleur qu'il a. Assez joli, hein, d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que le parasaur, tu vas me suivre en passif. Très bien. Et puis, comme ça, je vais pouvoir tester un petit peu le raptor. Alors, normalement, niveau vitesse, franchement, on est censé être bien. Hein. Ah ouais. Oh, ça change tellement. Regardez comment je fume mon parasaur. Oh, t'es à la traîne, mon gars. Non, franchement. Franchement, le raptor, c'est bien. Je suis très content d'avoir eu la monture. Maintenant, il faut que j'arrive à rentrer à la maison. En un seul morceau, et ça, c'est pas gagné. Bon, déjà, je pense m'exercer un petit peu sur ce Dilophosaure pour voir. Niveau 30. Ouais, je l'ai démonté. Hein. Je l'ai démonté, clairement. Toi, t'es niveau combien, là? Niveau 10. Les tortues, je sais que c'est des sacs à PV. Hein. Voyons voir. Elles saignent ou pas? Ouais, bon. Je pense pas qu'il fasse très très mal, honnêtement, mon raptor. Mais il fait quand même le taf, hein, parce qu'il attaque vite. Enfin, il attaque très vite. Et bah, il est plutôt rapide au niveau de ses déplacements, donc... Franchement, pour explorer et pouvoir se défendre un minimum, je trouve que le raptor c'est très très bien. Même si le parasaur est plus utile pour tout ce qui est porter des choses et farmer quelques baies. Au début, franchement, le parasaur c'est vraiment pas négligeable. Très bien. Enfin bref, je vais tranquillement rentrer à la maison. On se retrouve une fois que j'y suis. Je vous dis à de suite. Ok, re les amis, alors me voilà arrivé à la maison. Du coup, ça s'est très très bien passé. Par contre, ouais, bon, bah la nuit est en train de tomber, mais bon, ça c'est vraiment pas très très grave. Alors, j'ai ramené pas mal de petits métals, voilà donc. D'ailleurs, le raptor, il a un petit peu pris des niveaux, ça c'est bien. Le parasaur, je vais lui monter sa vitesse. Du coup, voilà, j'avais déjà mis un petit peu de métal à faire fondre. Et ben nickel, j'en ai déjà 148. Franchement, j'ai une très très bonne quantité de métal, hein, ça c'est franchement bien. Va falloir que j'y retourne hein, de temps en temps d'ailleurs pour ben, toujours avoir un petit peu de métal, hein, franchement, parce que le métal, ça reste très important quand même. Alors, tout ça, je vais le mettre là. Les recettes, je vais les ranger là. Et ça, je vais le mettre du coup dans le mortier pilon, parfait. Alors, bon, ben, comme il fait nuit, j'ai envie de faire encore une dernière petite chose avec le raptor, tout simplement. D'aller voir ce qu'il donne. Et il y a un alpha là. Qu'est-ce que c'est ça? Alpha raptor. Niveau 20. Ouais, non, mais je vais pas le tenter aujourd'hui, hein. Mais j'ai très envie du coup d'aller faire justement la grotte qui est juste à côté de la maison. Avec le raptor, tout simplement pour le faire un petit peu XP. Voilà, donc je lui ai absolument pas fait passer ses levels, donc il est niveau 200 de base. Je vais faire un petit tour dans la grotte avec vous. On va tuer bah, un petit peu tout ce qu'on croise, et puis ensuite en sortant de la grotte, on verra combien de niveaux le raptor aura pris. Ok, alors ça y est, on se retrouve du coup à l'entrée de la grotte. Donc c'est parti. Bon, j'espère que ça va bien se passer et que je vais pas perdre mon raptor. Mais bon, honnêtement, je pense, enfin, y a pas de raison que je perde mon raptor. Hein. Est-ce que j'ai besoin de la torche? Non, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'aller, il fait quand même assez clair dans cette grotte. Ouais, ça va. Bon, parfait. Alors, d'ailleurs, ouais, si je croise un Mégalania HL, j'aimerais bien en capturer un. Hein, parce que franchement, j'adore les Mégalania dans Ark. J'adore les Mégalania, mais j'en ai jamais capturé. J'avais failli en capturer sur Scorchoders. Mais c'est vrai que sur The Island, il me semble pas en avoir capturé. Hein. Non, parce que je sais qu'ils peuvent spawn normalement dans cette grotte. Pour le moment, il n'y a rien, ok. Okay. Y a aucun dino ou quoi? Ok. Arthroplera. Ça va faire mal ça. Ça va faire mal. Ah ouais, ma vie. Ah ouais, la vie. Niveau 50, l'Arthroplera. Allez, ok, nickel, il m'a loupé. Allez, meurs. Eh, mais ça a de la vie ces bêtes là. Hein. Oh, c'est chiant les Arthroplera, j'avais oublié. Ok, parfait. Parfait. Oh, en plus, moi aussi, j'ai level up. Ça, c'est cool. Bon. Ah oui, d'ailleurs, si je croise un bousier, ça pourrait être pas mal. Hein. Ouais, y a un bousier là, mais on va y accéder par l'autre côté. Parce que ouais, franchement, un bousier, comme j'aimerais bien me mettre assez rapidement en culture pour ben, justement avoir des légumes et pouvoir capturer les dinosaures herbivores plus facilement, ce serait mieux. Allez, allez. Ok, ah ouais, 140 le titanoboa là. Ok, les araignées, je vous attends. 125.
Eh, c'est quoi les niveaux dans les grottes là? Deux araignées 125. Mais pourquoi est-ce que je croise pas de dino HL comme ça là en dehors des grottes? Allez, allez. Non, elle s'est régène, je crois, avec sa pote. Allez, meurs. Eh, ça a de la vie. T'es niveau combien toi? Je vois pas ton niveau. 50. Ok, allez, meurs. Ah, mais c'est parce qu'elle a l'effet de coupe en fait. Ok. J'ai pris cher là. Je me suis un petit peu fait défoncer là, peut-être. Mais bon. Ah ouais, non, il y en a d'autres. Ça, c'est pas cool, ça. Ça, c'est vraiment pas cool. Ok. Ok, on le tente. Allez, le raptor, tu peux le faire. Ok. Allez, le titan au bois. Ok. T'as 140. Non, mais. Eh, mais je vais aller dans les grottes hein, pour capturer des titans au bois ou araignées là. Hein. Bon, même si j'ai jamais capturé d'araignée ni de titan au bois dans Ark. Allez, nickel. Ça, là, elle était que level 20. Franchement, ça va. J'ai déjà pris 3 niveaux. Mais franchement, c'est pas mal. Les flèches, je vais les récupérer. Au niveau de son poids, ça va. Moi aussi, j'ai pris un petit niveau que je vais de suite passer d'ailleurs. Voyons voir le level 25. Ah, la lance, l'arbalète, ça, franchement, c'est bien. On se fera ce stuff-là justement quand on sera rentré à la maison. Parce que, ouais, la lance en métal et l'arbalète, ça, franchement, c'est super bien. Je pense, ouais, non, mais je vais tirer quelques flèches à l'arc. Hein, parce que sinon, mon raptor, il n'y a pas à s'en sortir. Allez. Ok. C'est quoi, c'est une araignée qui arrive là-bas? Oh. Eh, ils me prennent en sandwich. Oh. Oh, je me fais défoncer là. Non. Oh non, ils m'ont pris un sandwich. Ok, c'est bon. Ok, et de une. Allez, la deuxième. Ok, elle est bloquée. Ouais, elle est bloquée, je crois. Ok, parfait. Bon. Ça se passe bien, même si mon raptor est très très mal. Non, je vais lui monter. Je vais lui monter ses niveaux. De toute façon, je sais qu'il était niveau 200 avant qu'on rentre dans la grotte. Comme ça, on verra après combien de niveaux il aura pris. Je jette un petit peu de viande hein, d'ailleurs, parce que ça pèse lourd. Sauf la supérieure, parce que ça va périmer assez vite. Ouais, il y a encore des araignées là-bas. Allez. Ok. Alors, je pense pas prendre d'artefact aujourd'hui. Hein. C'est juste que j'avais envie un petit peu d'XP mon raptor. 3 araignées. Ça peut le faire. 50. Ok, bon, 50, ça va. 95, ça pique. Et la dernière, 20. Ok, il y en a une dernière. Ok, ça devrait le faire. Il reste combien de vie là? 140 HP? 120? Ok, ça devrait le faire. Parfait. Bon, mon raptor est dans le mal, là. Ah ouais, 115 HP. Ça régène bien, ça, ou pas? Ouais, ça va. Il régène un petit peu. Bon, bah, je vais lui faire manger quelques morceaux de viande. Comme ça, il va pouvoir un petit peu régène. On va pouvoir continuer à tuer quelques petites créatures dans la grotte. Ok, alors là, on a du scorpion. 2 scorpions, une araignée bloquée. Bon, les scorpions, il me semble pas que ça passe très mal. Hein. C'est juste que ça met pas mal de torpeur. Bon, en plus, ça a pas trop de vie, comparé aux araignées. Eh, 130, le scorpion! Non, mais, je vais venir ici capturer un scorpion de ces 4. Hein. Ah ouais, le niveau. Pourquoi est-ce que dans les grottes, les dinos, ils sont tous à shell, quoi? C'est une blague. Niveau combien, toi? 45. Bon, encore, ça va. Ok, le titanoboa. Ou je le démonte. 50. Ok, bon, ça va encore. Allez. Allez. Et 85, celui-là. Ok, peut-être mettre la torche, là, parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Ok, parfait. Oh! Alors, il y a un arthroplora. T'es niveau combien, l'arthro? 20. Il est en couple. Ah, tu vas me faire chier, toi aussi, là? Ah, dégage. Je veux pas de toi. Voilà. Il est niveau combien, là, le bousier? 15. Ah, dommage. Là, non, j'ai pas capturé un bousier niveau 15. C'est pas la peine. Les arthros, par contre. Ouais, non, rien. Je regarde juste s'il n'y a pas un petit bousier par là. Non, il n'y a pas. Bon, on va continuer. Hein, parce que dans les arthropleuras, ça fait assez mal quand même. Ouais, je pense que je vais pas avoir le choix. Je pense qu'à mon avis, je vais pas avoir trop le choix. J'espère que t'es pas 150, s'il te plaît. Ok, il est bloqué. Parfait. Parfait, je te démonte. Ok, bon, ça, c'est pas grave. C'est juste mon armure. Oh ouais, non, ça fait mal. Un troisième arco. Ok. Non, là, c'est la merde. Non. Non, les arthropleuras, c'est trop, je peux pas. Les arthros, ça fait beaucoup trop mal. J'ai pris 2 niveaux encore. Eh, c'est bien, on XP bien, franchement, dans la grotte. Ça va. Ouais, non, je me casse. Je vais éviter de combattre un petit peu, là. Je vais laisser mon raptor régène. J'avais juste vu qu'il y avait un bousier par ici. Niveau 50. Waouh. Tout ce qu'il y a.
Ok. Oula. Ok, c'est la merde. C'est la merde. Allez. 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 Allez, cours. Ok, parfait. Ok. Ouf, ça fait mal. Est-ce qu'il passe le raptor? Il passe pas? Il passe pas? Ok, il passe pas. Ok. Oh, ça va. Ok, bon, ça va. J'ai plutôt bien esquivé le truc. Ouais, non, parce que si je perds encore mon raptor là, alors que je viens juste de le capturer, ça, je vais avoir la haine après. Je vais avoir la haine. Ouais, bon, je sais que l'artefact est juste là, mais j'ai pas envie de le récupérer. C'est beau quand même. Non, j'ai pas envie de le récupérer, pas de suite. J'ai pas encore de maison ou quoi que ce soit, donc je vais pas le. Mais il me semblait qu'on pouvait passer avec un raptor ici. Ah ouais, on peut passer. C'est galère, mais on peut passer. Ah non, les araignées. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, 5 secondes, le raptor, 5 secondes. 3 secondes, allez. Allez, 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 allez. Ok, je me casse. Ok, je me casse. Ok, il a combien de vie là? 64 HP. Ah ouais, non, non, là ça va pas là. Ouais. J'ai peut-être un petit peu trop joué avec le feu là. Enfin bref, j'ai bien envie quand même de finir d'explorer l'entièreté de la grotte. Il me reste un petit chemin à aller voir, c'est tout simplement le chemin qu'il y a par là. Voilà. Mais j'ai peur de, ouais, de que mon raptor il meure en fait. Bah, encore là, ça va, j'ai 100 HP. Enfin, je vais un petit peu le régène quand même. Au moins son énergie. Que je puisse courir en cas de problème. Ouais, 300. Je vais le mettre à 300 HP, voilà. Au moins 300 HP, c'est un petit peu. Mais me fais pas peur comme ça, toi! Ok, titane au bois. Non, non. Ah, mais arrêtez de me bloquer. Ok. J'ai juste envie de voir le niveau du Mégalania. 15, ok. Bon, vraiment pas intéressant. Vraiment pas intéressant du tout. Les titanes au bois, non merci, je veux pas. Moi je veux juste voir s'il n'y a pas un bousier par là. Ok. Ok. Ah non, les araignées. Oula. Non, c'est pas cool ça. Ok, il y a un bousier là. Ok, non, là c'est la merde. Là c'est la merde. Ah, je meurs de faim. Non, c'est pas grave. C'est que mon personnage. Allez, allez, cours, 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 cours. Ok. Ok. 48 HP. Ok, ça va pas là. Non, non. Ouh, j'ai esquivé de peu. Ok, encore un bousier. Non, non, les araignées. Ok, elles m'ont pas capté. Waouh. Je veux pas mourir. Non, 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 le raptor, 44 HP, 44 HP. Non, non, c'est la fin du raptor, les amis. C'est la fin du raptor, c'est la fin du raptor. Non, c'était sûr, ah, oh, j'en ai ras le cul, sérieux. À chaque fois que je tame un raptor, ça finit mal, tout le temps. Non. Oh non, mon raptor. Ah, je vais dormir. Non, il y a des araignées. Non, oh, bah, c'est la mort. C'est la mort, les amis. Bon, et bien je pense qu'on peut dire que cet épisode est un véritable échec. Enfin bref, c'est pas grave, je reprendrai ma revanche dans le prochain épisode. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était TheTux et je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!